Et bonjour à tous, c'est Slash033. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide des trophées sur le jeu Sakura Succubus 4. Donc ce jeu est cross-buy PS4, PS5 et peut être fait dans les versions européennes, japonaises et américaines. Donc vous pouvez cumuler jusqu'à 6 trophées platine au total pour ceux qui veulent les acheter. Donc comme d'habitude, c'est juste des choix à faire, on accélère un peu toutes les options, on va aller le refaire vite fait. Hop, donc voilà, on commence par aller dans préférences, on coche Unseen Text, After Choice, Transition, on met la vitesse du texte à fond. Bon, moi je baisse les sons, musique et tous les bruits parce que ça me saoule vite. Donc voilà, on est parti, on a fait nos choix. Donc vous allez voir, il n'y a pas de save à faire. Donc ça va assez vite. Donc premier choix, on prend le premier, première réponse. Ça va être la première réponse pendant un petit moment. Donc voilà, toujours la première réponse. Ici. Ici, have a bass. Première réponse. Toujours le premier choix. Encore le premier choix. Là, tout pareil. Voilà, encore le premier choix. Voilà. Ici, on commence deuxième choix. Et on va continuer le deuxième choix jusqu'à ce qu'on ait 5 choix différents. Donc là, toujours pareil, deuxième choix. Hop, deuxième option. Toujours le deuxième choix. Voilà, là on a les 5 choix, donc on va prendre le dernier. Donc le cinquième choix. Juste après, on prend le premier. Encore le premier choix. Voilà. Ici, c'est la dernière fois qu'on prend le premier choix. Deuxième choix. Et enfin, deuxième choix. Et là, nous avons le trophée platine qui va arriver. Une fois rendu au menu principal. Et voilà, un petit trophée, comme d'habitude, en 3 minutes. Juste faire attention à ses choix, car il n'y a pas de sauvegarde à faire pour plusieurs parties différentes. Donc voilà, j'espère que ce petit guide vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Allez, au revoir.